Nous sommes assistantes sociales au centre hospitalier de Coutances. Je suis Catherine. Et moi, je suis Hélène. Notre métier à l'hôpital de Coutances consiste à organiser les sorties des patients vers leur domicile avec des aides, mise en place d'aides, ou vers un lieu de vie si leur retour à domicile n'est pas possible. Donc, une de nos autres missions, c'est autour des personnes vulnérables, d'accompagner donc, les familles dans l'élaboration d'une demande de mise sous protection auprès d'un juge, ou si la personne est isolée, effectuer un signalement auprès du procureur de la République pour signaler cette situation de vulnérabilité et potentiellement de mise en danger à domicile. Pour ma part, moi j'interviens sur le court séjour gériatrique 1, également sur les EHPAD, puisqu'on intervient également sur les EHPAD qui sont rattachés à l'hôpital de Coutances, et ponctuellement aux urgences. Et moi j'interviens en médecine 2, il y a toute population, ça peut être des jeunes et des moins jeunes, en sachant qu'à Coutances on a quand même une particularité, c'est une population assez âgée. Donc nous, il faut qu'on puisse trouver rapidement des solutions à domicile, vérifier que la personne peut bien rentrer chez elle, et si elle peut rentrer chez elle, de mettre vraiment les aides nécessaires en place. Sinon, ça peut être aller dans un établissement, en SSR ou en EHPAD. Enfin, pour les personnes âgées, ça va être en maison de retraite. Là, c'est différent. Mais le retour à domicile demande vraiment une organisation, en fait. On fait en sorte qu'il y ait du relais sur l'extérieur. Donc, on va relayer auprès d'un autre travailleur social ou auprès d'un partenaire pour être sûr que le plan d'aide va bien se mettre en place. Si on sait qu'il y aura des soucis par la suite, on essaie de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui puisse intervenir en cas de besoin. C'est vrai que notre travail, il est important d'être en pluridisciplinarité, donc avec les équipes de rééducation, les équipes, la diététicienne, les psychologues, les infirmiers, les aides-soignantes, puisque nous, on ne peut pas intervenir si on n'a pas le regard et l'expertise de chacun en fonction de sa spécificité, de son domaine de compétence. Et nous, on récupère un petit peu les avis, les évaluations de chaque professionnel pour nous permettre de pouvoir ensuite organiser la sortie du patient en fonction de ses besoins et voilà. Pour moi, la qualité nécessaire pour exercer ce métier, ça serait, je dirais d'abord l'écoute, être disponible. Savoir s'adapter aux patients, à l'entourage, à la structure hospitalière. Pour être assistante sociale, en fait, il faut un diplôme d'État. Ce sont des études qui durent 3 ans et donc il y a des écoles de travailleurs sociaux à peu près dans chaque région. Ce qui est important ici, c'est qu'on est reconnu. C'est ça qui est important, on est reconnu. Et c'est aussi le fait d'avoir une bonne relation avec les familles. On sent qu'on est vraiment là pour les épauler. On côtoie quand même beaucoup de souffrances, physiques ou psychologiques, mais on vient avec plaisir quand même parce qu'il y a cet environnement qui est agréable. Et on est une petite équipe aussi, et on a une équipe quand même qui s'entend bien. C'est vrai qu'on est un service, il y a 3 postes d'assistante sociale et on a une secrétaire. Et ça, elle est quand même très importante aussi pour nous. Et ça permet que voilà, le service fonctionne bien parce qu'on a cette structure.